Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit point sur ce qui va arriver là fin du mois d'avril, courant du mois de mai. Donc là, on vient de terminer du coup l'événement Pâques. L'année dernière, là en ce moment, on était dans un événement naissance, donc on peut encore espérer avant la fête des mères, d'ici. Je pense semaine prochaine ou semaine d'après, on peut espérer un événement naissance, donc jumeaux ou triplés. Je dis bien espérer, hein, ce n'est pas une certitude. On attend aussi avec grande impatience la vente de promo de Pulse pour avoir les puzzles moins chers et puis pouvoir les dépenser aussi moins cher. Donc ça fait un petit moment qu'on l'attend, qu'on est tous à stocker plein pot des pièces de Pulse en attente de cette promo-là. Donc là, je pense aussi qu'on peut l'espérer. Fin avril, on a aussi le 21-22, l'anniversaire de Marie. Donc il y aura une vente promo de quelque chose. Je ne sais pas si ce sera du terrain ou. Enfin, bref, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y aura son anniversaire. On avait eu l'année dernière aussi le 26. Il y avait eu la journée du pingouin. Donc, on peut espérer 2 jours de triplé sur le pingouin. Donc, ceux qui veulent augmenter la probabilité de naissance du pingouin, faites-le maintenant et arrêtez-les de manière à ce que vous ayez les triplés plus facilement dans ces 2 jours-là. On avait le lendemain, le 27 et 28, on avait 2 jours de journée mondiale du tapir. Donc, pareil, hein, si vous voulez avoir peut-être une naissance triplée là-dedans, bah, augmentez vos tapirs, c'est le moment. Donc ça, on l'a vu l'année dernière, hein, donc je pense qu'ils vont le remettre. On peut avoir aussi la certitude que sur le chevauchement du 8-9 mai, donc normalement ça va commencer un petit peu avant, ça va terminer un petit peu après, parce que la fête des mères en Allemagne, ça doit être le 8 mai ou le 9 mai, un truc comme ça. Donc là, un petit peu avant le 8 mai, un petit peu après, sur les 15 jours, là, 10 jours, on va avoir la fête des mères. Donc on aura du coup un nouvel animal, hein, toujours le même principe récolté. Là, ce sera, je pense, des petites roses, ou je pense que ce sera des roses, hein, des roses à récolter. Là, c'était des œufs à Pâques. Et voilà, le mois de mai, il est assez pauvre. On aura l'anniversaire d'Anthony aussi à la fin du mois de mai. Donc c'est pas violent, violent. Donc je pense que voilà, hormis la fête des mères qui va arriver, on peut vraiment espérer un événement naissance et on peut espérer eh ben, cette promo enfin sur les tickets qu'on attend vraiment tous. Voilà. Vous avez pu voir hein, qu'il y avait pas mal d'animaux qui étaient apparus dans la liste des animaux globaux du parc. Donc on peut vraiment espérer. Donc déjà de sur un, voire 2 animaux à la fête des mères. Et puis je pense que l'office risque de s'enrichir bientôt aussi de nouveaux variants. Je pense que le lapin, ça va plutôt être un variant qu'un animal à gagner. Voilà, je pense que le lapin blanc sera un nouveau variant. Voilà, bah, si vous avez d'autres infos que moi je n'ai pas, ou d'autres suppositions que moi je n'ai pas, je suis preneur en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Sachez que la page vit grâce à vos abonnements. Je gagne rien du tout. Je ne suis pas financé pour ça. À savoir que le concept YouTube marche, met en avant les pages qui sont likées d'un pouce bleu. Donc si vous likez le plus possible, ben, pour moi, ça va me permettre d'être le mieux référencé et d'avoir plus de vues et puis d'avoir un peu plus envie de le faire, bien que j'ai envie, mais voilà, que ça me donne envie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aidera vraiment pour la chaîne. Et puis, ça me permettra de vous en faire d'autres de qualité, je l'espère. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!